Salut tout le monde Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Naftal révèle les nouveaux prix des huiles moteurs. Ce que vous devez savoir. Sujet numéro 2. Revitalisation des pâturages en Algérie. L'incroyable ruée des éleveurs de moutons. Sujet numéro 3. Incroyable saisie à l'aéroport de Constantine. 46 000 euros et de l'or découvert. Sujet numéro 4. Scandale diplomatique. L'ancien ambassadeur de France accusé de fraude en Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés point encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, Naftal, a publié ce mardi un communiqué concernant les tarifs de ses huiles moteurs qui restent uniformes sur tout le territoire national. Naftal continue d'approvisionner le marché national en huiles de divers types à travers son réseau commercial, aux mêmes tarifs établis et analysés à l'échelle nationale, permettant ainsi à ses précieux clients de se procurer ces huiles, tant en qualité qu'en quantité et en prix, indique le communiqué. La société encourage ses clients à consulter les tarifs des huiles et de tous ses autres produits via son application Naftal Service. Elle les incite également à contacter ses services au numéro 3305 ou à leur écrire par le biais de la messagerie de sa page Facebook pour signaler toute infraction. D'après le journal El Kabar, Nafta assure qu'elle appliquera des mesures strictes et rapides contre toute violation ou manipulation. Toujours selon cette source, la société a exprimé son étonnement face aux publications sur les réseaux sociaux soulevant des questions sur les prix, sans qu'aucune plainte officielle n'ait été déposée ou que des contrevenants aient été identifiés. Elle a également précisé qu'elle a agi avec rigueur contre toutes les infractions constatées sur la base de preuves claires. Sujet numéro 2. Après les dernières pluies, les pâturages stépiques en Algérie ont reverdi, attirant de nombreux éleveurs. Ce phénomène est tel qu'on observe de véritables convois de camions transportant des moutons. Cette situation fait contraste avec les mois de sécheresse printanière que les régions, notamment l'ouest algérien, ont récemment connues. C'est particulièrement le cas dans la région de Saïda, où des troupeaux de moutons pâturent sur les jeunes pousses apparues après les fortes pluies de ces derniers jours. Les semences de graminées ont germé en premier, recouvrant certaines zones de véritables tapis verts. Cette abondance, rare, apporte une grande joie aux éleveurs. Au printemps dernier, à Nama, dans les hauts plateaux de l'ouest algérien, le manque de pluie était tel que les brebis erraient sur des terrains arides et peu végétalisés. Les pluies ont redonné vie au pâturage. Parcourant ces terrains désolés ressemblant à des paysages martiens, les brebis tentaient de gratter le sol de leurs sabots à la recherche des rares plantes dont il ne restait qu'un morceau de tige. Les précipitations, qui se sont intensifiées depuis la fin août dans plusieurs régions d'Algérie, ont changé la situation. L'abondance de fourrage pourrait atténuer les tensions liées à l'approvisionnement en orge, généralement utilisée dans les rations animales durant l'hiver. Les camions affluent de partout vers ces pâturages. À côté des anciens GAK se trouvent des camions plus récents de marques asiatiques. Leurs remorques sont aménagées par des artisans spécialisés dans la fabrication de bétaillères. Les ridelles sont retirées et remplacées par des barres. Un plancher en bois supplémentaire augmente la capacité, permettant ainsi de transporter près d'une centaine de bêtes. Le Haut Commissariat au Développement de la Steppe, HCDS, collabore avec les mairies locales pour organiser la location saisonnière des parcours sous forme de Mamiat, mais de vastes zones de exclues de ce dispositif. Cette ruée représente également une opportunité d'accéder à des fourrages gratuits. Cette situation a suscité des réactions parmi les élus locaux. Un député de la Wilaya de Beni Abbas a exprimé son inquiétude quant au risque de surpâturage et de dégradation des parcours. Dans une lettre adressée au Wali, il demande un meilleur contrôle de l'utilisation de ces zones. La question est d'autant plus délicate que la loi sur l'accession à la propriété foncière agricole, APFA, a conduit des investisseurs à multiplier les opérations de mise en valeur, réduisant ainsi la surface des parcours. Cela entraîne des conflits entre les éleveurs habitués à ces terrains et les nouveaux investisseurs qui en restreignent l'accès. Depuis plusieurs années, le HCDS a lancé des projets d'aménagement utilisant la petite hydraulique pour accroître l'offre de fourrage. Cela inclut des cèdes, des ouvrages installés dans les lits des ouèdes pour épandre les eaux de crue et irriguer les parcelles adjacentes. Dans un premier bilan établi en 2014, l'auteur du blog Saïda Bida notait que le HCDS a réalisé des structures de retenue et d'infiltration des eaux de crue. Si 448 cèdes existent, cela permet d'entretenir 206 648 hectares grâce à ces installations. À l'époque, le représentant du HCDS avait souligné une nette amélioration de l'alimentation des moutons dans les régions stepiques bénéficiant de ces aménagements. Le poids moyen des carcasses de viande des ovins est passé de 13 kg à 22 kg ces dernières années, 2002-2003. Il ajoutait, cette augmentation du poids s'explique par le fait que les troupeaux trouvent suffisamment de nourriture sur les parcours pastoraux. Avec une superficie de 20 millions d'hectares, les parcours stépiques en Algérie représentent un potentiel agricole dont la valorisation dépend de la disponibilité en eau, comme le démontrent les conditions climatiques actuelles. Cette eau, grâce aux aménagements réalisés dans le cadre de la petite hydraulique, permet de prolonger les effets bénéfiques des pluies. Sujet numéro 3. Grâce à la vigilance des agents des douanes, plusieurs tentatives de trafic illicite d'objets de valeur et de capitaux ont été déjouées. La plus récente a eu lieu mardi dernier à l'aéroport Mohamed Boudiaf à Constantine. En effet, une saisie importante a été réalisée grâce à la vigilance des agents de la police aux frontières, en collaboration avec les douanes algériennes, à cet aéroport. Coup de filet à l'aéroport de Constantine, une femme de 60 ans arrêtée avec plus de 46 000 euros et plus d'un kilogramme d'or. Les faits se sont déroulés le mardi 24 septembre, lorsque la police aux frontières de l'aéroport a arrêté une voyageuse âgée d'environ 60 ans, alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol et qu'elle passait le contrôle de ses bagages. Selon la sûreté de la Wilaya de Constantine, rapportée par le quotidien Ekorouk, la voyageuse, originaire d'une des wilayas du centre du pays, a été interpellée après le contrôle de ses bagages par scanner. Une somme importante en devises, soit 20 000 euros non déclarés, a été trouvée dans une poche intérieure de l'une de ses valises. Soumise à des fouilles supplémentaires, une autre somme de 26 400 euros a été soigneusement cachée par la suspecte, en plus de cinq lingots d'or pesant au total 1059,29 grammes. Une enquête a été ouverte. Suite à cette découverte inattendue, une enquête a été lancée par la Brigade de lutte contre la criminalité financière et économique de la police judiciaire de Constantine. À l'issue de l'enquête concernant la suspecte, celle-ci a été présentée devant la justice. Elle a été déférée au parquet local pour avoir violé la législation sur l'échange et la circulation des capitaux verts et depuis le territoire national. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent dans les aéroports. D'ailleurs, en août dernier, une saisie record de 2,4 millions d'euros avait été effectuée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris sur deux passagers algériens se préparant à prendre un vol pour Istanbul, en Turquie. Sujet numéro 4. La justice algérienne envisage-t-elle de lancer un mandat d'amener contre l'ancien ambassadeur de France à Alger, Impliqué dans une affaire de transaction frauduleuse qui met également en cause un des frères Kouninef et un notaire algérien en fuite en Espagne. Cette affaire concerne la vente d'un terrain situé sur les hauteurs d'Alger, sur lequel se trouve une villa de style mauresque, propriété de l'État français, vendue pour 50 milliards de centimes, soit 47 545 DAM2, alors que les services des domaines l'ont évalué à 230 000 DAM2 selon des sources telles qu'Éloitan et le Soir d'Algérie. De plus, le Sénat français évoque un prix de 10 millions d'euros alors que la vente a été finalisée pour environ 4,87 millions en raison du statut diplomatique de l'intéressé cette affaire est régie par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui stipule dans son article 31 alinéa 4 que l'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'état accréditaire ne peut exempter cet agent de la juridiction de l'état accréditant selon l'article 32 de ce traité signé à Vienne en 1961 L'État accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes bénéficiant de cette immunité. L'article 41 de la Convention de Vienne précise que toutes les personnes bénéficiant de privilèges et d'immunités ont l'obligation de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire, ainsi que de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Or, Xavier Driencourt a enfreint ses obligations durant ses deux mandats en tant qu'ambassadeur à Alger. Au-delà de l'aspect juridique de cette affaire délicate, c'est la complicité de cet ancien ambassadeur avec des transactions douteuses en Algérie qui soulève des interrogations. Pour quel motif Xavier Driencourt a t-il bradé ce bien au profit d'une famille dont il connaissait la réputation controversée durant le long règne de Bouteflika? L'État français était il informé de cette transaction frauduleuse qui, par la façon dont elle a été négociée par son représentant à Alger, porte atteinte aux intérêts français? Si Xavier Driencourt a vendu la villa à perte avec l'accord du Quai d'Orsay, Qu'a-t-il obtenu en retour des Kouninef? Des informations stratégiques, des dessous de table Ce retraité ne manquera pas de se défendre dans une interview accordée à des médias tels que Marianne, Le Point, Le Figaro ou d'autres plateformes où il a l'habitude de s'exprimer sur l'Algérie, qu'il semble tant redouter.